La Guinée, le pays de tous les pays au monde. Waouh! Comme Amadi Doumbia, à travers son ministre illégitime, illégal, est en train à évaluer les partis politiques, à suspendre les partis politiques. Il a mis en observation les partis politiques qui sont même plus âgés que son président légionnaire dans le cadre de Mouya. Et mon ami, on m'a dit qu'on foutait ni d'un akoune Allah. La Guinée. Non, mais j'aime ce pays-là. Non, mais c'est dans ce pays où le contraire se passe, quoi. Les gens marchent sur la tête. C'est des êtres humains à part. C'est en Guinée que tout est possible. Hein. Tout ce qui n'est pas faisable, tout ce que vous ne pouvez pas voir dans ce monde, c'est chez nous que ça se passe. Un légionnaire qui n'a rien apporté à la Guinée, qui n'a rien apporté à l'armée guinéenne, il prend son petit clan, qui ne sont même pas de l'armée guinéenne, à cause de la crédibilité que le président Alpha Condé a eu en lui, il prend des armes, il vient kidnapper un président, dont au moins un Guinéen a voté pour lui. Il vient s'arrêter à la télé, il dit des discours, il emballe tout le monde. Le Guinéen est facile, hein. C'est un peuple très facile à manipuler. C'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. Sinon, comment est-ce que des êtres humains dotés d'intelligence, qui ont les yeux, qui ont le cerveau, peuvent croire à la parole de Mamadi Doumbia depuis quand il était avec ce pouvoir? Quand est-ce qu'il a pris conscience? Il vient faire un discours et puis tout le monde tombe dedans. Et c'est lui qui vient vous dire que lui, il est propre, il est plus béni que tous les Guinéens, il est plus béni que tous les politiciens, que c'est lui qui va mettre de l'ordre dans votre maison. C'est lui qui va vous dire ce que vous devez faire. C'est lui qui va vous dire qui vous êtes. C'est lui qui va vous dire comment vous devez vous comporter. C'est lui qui va dicter les règles. C'est lui qui est béni. C'est lui qui est propre. C'est lui qui est digne dans ce pays. C'est lui qui est légitime. Il va s'imposer à vous comme ça et puis vous prenez. Je vois des plaisantins venir dire « Oui, c'est normal ce que le ministre est en train de faire. » Qu'est-ce qui est normal? Mamadi Doumbouya a le droit de reprocher ou de juger un moustique guinéen ou une mouche guinéenne si c'est pas que ce peuple de Guinée, c'est un peuple qui marche sur la tête, les pieds à l'air. Mamadi Doumbouya a quel droit, a quelle légitimité de juger un guinéen? Le gars, il vient assassiner des Guinéens, des militaires guinéens. Il tue les Guinéens dans les manifestations. Ça, c'est normal. Lui, ça, personne, la justice ne se lève pas pour lui demander, toi là, il y a quelle loi de la République de Guinée qui te permet de prendre les armes, venir s'attaquer aux institutions de la République, venir assassiner les militaires? Personne ne le dit. Là-bas, on ne pose pas la question. Là-bas, la normalité ne doit pas exister. Là-bas, on ne doit pas justifier. Là-bas, on ne doit contrôler rien. C'est au niveau des partis politiques qu'il faut imposer les règles. C'est au niveau des partis politiques qu'il faut instaurer de l'ordre. Mais franchement, je ne comprends pas ce pays. Je ne comprends pas un pays de jésuites. Un pays de malhonnêtes. Un pays des indignes. Ce pays-là, la Guinée. Si vous ne vous réveillez pas, c'est toujours ce genre de trucs qui arrivent sur vous. C'est le prix que vous êtes en train de payer. Ce que vous avez semé là, c'est ce que vous êtes en train de récolter. C'est ce qu'on est en train de voir.
sinon, comment est-ce que le gars va venir s'imposer aux gens comme ça? Il va dicter les règles. Lui, tout ce qui est règles, loi là, ça ne nous concerne pas. Lui, il est blanc, il est propre, il est un Jean-Paul. Parce que vous avez la haine en vous. Débarrassez-vous de la haine. La haine vous conduit dans l'échec. La haine vous fait échouer. La haine vous endorme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Au moins le président Alpha Condé, il y a eu un seul Guinéen qui a voté pour lui. Il a son parti politique. Il n'a pas pris des armes pour venir assassiner les Guinéens. Il n'a pas écrit sa charte comme il veut. Le gars, il vient, il écrit une charte dont personne n'a été consulté. Il assassine des Guinéens, vous applaudissez pour lui, il vient prêter serment. Et c'est lui qui vient vous sanctionner, dissoudre les partis politiques. Hey, non, mais non, mais c'est la magie, quoi, dans ce pays. Donc, sur ce, des jeunes inutiles, sans impact sur les réseaux sociaux, viennent parler au nom de leur communauté. Il y a certains qui se servent de cet argument pour apporter leur soutien à Mamadi Doumbouya. Comme ils n'ont rien à dire, donc il faut se baser derrière l'ethnie, comme Mamadi est un ethno déguisé de haut niveau, il faut passer par l'ethnie pour pouvoir apporter le soutien. Pour ne pas que les gens de sa communauté disent que « Ah, il le fait, il est malhonnête, il est indigne, il ne respecte pas sa parole, il n'est pas honnête, il n'est pas reconnaissant, c'est monté, c'est descendu. » Pour éviter ces arguments, ces reproches, donc il va se baser sur un argument derrière l'ethnie. C'est à cause de son ethnie, il est malinqué, je suis malinqué, c'est pour cela que je l'ai soutenu. Pour qu'il puisse au moins marcher la tête haute. Pour ne pas qu'on dise que « Ah, il est ingrat. » C'est lui qui était derrière Alpha Condé hier. Alpha Condé a attrapé, Mamadi a attrapé Alpha Condé. Il l'a humilié, il a tué les militaires. Ce sont eux qui changent de parole aujourd'hui. Pour trouver des arguments, ils se basent sur l'ethnie. Comme ils savent que dans le sang, Mamadi Doumbouya est un ethno. C'est vous, il peut tomber, nous le connaissons. Celui qui va tuer les jeunes peuls à l'axe, il coussort de sa... des enfants, hein. Il était dans la voiture avec son ami Bill Condé là, sur l'axe. Si vous vous rappelez, le véhicule qui a tapé un enfant, l'enfant est décédé, eux ils sont sortis, ils ont fini. C'était Mamadi Doumbouya et son ami Bill. Il vient taper sur un enfant, il tape sur un enfant dans sa voiture, il le renverse, le petit meurt, il sort de sa voiture, il garde sa voiture, il fuit avec son ami. Et il dit à son ami, alors on n'a pas tué quelqu'un, on a tué un peu. Mamadi est un ethno dans le sang. Il n'y a pas quelqu'un qui déteste les autres ethnies en Guinée comme Mamadi Doumbouya. Mais quand il vient devant vous pour le populisme, il nomme Baroui, le vieux raté, perdu, vendeur de sa communauté, et qui monnaie sa dignité par le bien matériel, qui a montré son vrai visage aujourd'hui. Mais c'est bon, on a compris. Donc les ethnos qui veulent partir derrière Mamadi Doumbouya, leur seul argument c'est quoi? C'est de se baser derrière l'ethno. Ah, il est malinqué, je suis malinqué, je vais le soutenir. Ils sortent devant les gens, ils créent des scandales, divisés pour nous réunir. Mais ceux qui tombent dans le jeu de ces petits inutiles délinquants, insensés sur les réseaux sociaux qui n'ont pas d'impact, parce que je parlais des jeunes soucis qui se disent défenseurs de leur communauté, qui parlent au nom de leur communauté, qui défendent leur communauté sur les réseaux sociaux. Qui vous a délégué? Ils parlent au nom de qui? Tu vois les petits malinqués indignes qui n'ont pas d'impact, qui des ingrats, se faisant passer par le combattant pour leur communauté, qui défendent la cause de leur communauté. Qui l'a délégué? Ils parlent au nom de qui? Au nom de qui il peut parler? Est-ce qu'il peut même parler au nom de sa famille? Pour engager toute une communauté dans leur jeu. Tu verras des petits peuls ratés sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun impact. Des jeunes inutiles qui se délèguent défenseurs de la communauté peul. Les forestiers idem. Ils se font passer par les défenseurs de leur communauté. Qui vous a donné la permission de parler au nom de leur communauté? Qui vous représentez dans votre communauté? Vous parlez au nom de qui dans votre communauté?
communauté. Pourquoi vous aussi qui les suivez, vous rentrez dans leur jeu? Ils représentent quoi? Ils ont quelle autorisation? Ils ont le titre foncier de leur communauté. Quelqu'un a délégué ces plaisantins-là de défendre leur communauté. Quelqu'un a délégué ces plaisantins-là de parler au nom de leur communauté. Ils représentent qui? Est-ce que moi qui vous parle là, j'ai la permission, j'ai le titre foncier? J'ai un certificat qui m'autorise à parler au nom d'une communauté. Et quand je parle au nom d'une communauté, est-ce que quelqu'un doit engager toute une communauté dans mes bêtises que je raconte? Pourquoi vous tombez dans leur jeu? Pourquoi vous accordez de l'importance à ces fainéants-là inutiles sur les réseaux sociaux? Si tu sais ce que tu veux, comment tu vas te permettre de parler au nom des gens que tu ne représentes pas, qui ne t'ont pas permis, qui ne t'ont pas donné l'autorisation, la latitude de parler en leur nom? Et vous rentrez dans le jeu. Ce n'est pas leur faute, c'est vous. Vous qui leur suivez, vous qui leur accordez de la valeur, vous qui leur montrez que oui, ils ont de l'impact, ce qu'ils racontent, que ça donne. Qu'est-ce que ces plaisantins-là représentent? Ils représentent qui? Posez cette question. Qui les autorise? Chacun est en train de montrer l'éducation qu'il a reçue. Un enfant est un ambassadeur de sa famille. La lettre que tes parents ont écrite sur toi, là, quand tu sors dehors, c'est cette lettre que tu lis pour tout le monde. Donc ceci-là ne représente que l'image de l'éducation qu'ils ont reçue. Ceci ne représente que leur famille. Ceci ne représente rien. Moi, personne de la communauté soujou malienne ne peut dire qu'il parle à mon nom, c'est qu'il dit là, que ça m'engage, que ça m'engage. Réglez votre compte entre eux. Ce sont des impolis, ils ne sont que des impolis. Parce que tu ne peux pas te permettre, tu dois venir t'attaquer à toute une communauté sur les réseaux sociaux, en disant défenseur d'une communauté. Et je vois des bêtes dire, nous te soutenons. Nous allons lutter contre ça, nous allons lutter contre les peuples, nous allons lutter contre les soussous, nous allons lutter contre les malinqués. Si on ne fait pas attention, les soussous vont nous faire ça, les malinqués vont... Ce sont des petits ratés sur les réseaux sociaux, tous ceux qui le font. Ce sont des petits ratés, des inutiles qui n'ont aucun impact, qui ne représentent personne, qui n'ont aucune permission de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne montrent que leur éducation. Et les hommes politiques se servent d'eux pour venir manipuler les gens, se rallier derrière les hommes à cause de leur appartenance ethnique. Vous voyez, vous êtes vraiment bêtes. Le peuple de Guinée ne peut pas aller à l'essentiel. Hey, dans la villa est égale à y grand intérêt. Les hommes qui ont des intérêts ensemble se réunissent ensemble, se donnent la main. Et ils ne connaissent pas la communauté, l'ethnie entre eux. Mais quand il s'agit de nous manipuler, on vient verser le caca dans nos têtes en train de parler de l'ethnocentrisme. C'est ce qui nous empêche de développer. Les lobbies connaissent notre secret. Ils savent comment diviser cette société. Ils savent comment empêcher le développement et le bien-être du peuple africain. Ils sont représentés partout. Quand vous voyez la femme qui porte le maillot du Burkina, la femme blanche, là, si c'est quoi, jolie de Kouaba, elle parle Bambara, elle parle toutes les langues, elle est sur les réseaux sociaux. Une femme blanche, la française, elle danse là, elle fait des choses, elle est avec tous les jeunes africains. Je vois les gens courir derrière elle, s'associer avec elle. Ce sont des agents secrets. Ces gens-là sont venus intégrer ils sont venus intégrer la communauté pour savoir exactement qu'est-ce que vous vivez, comment vous vivez, quel est votre secret. Ils vont faire le rapport intégral. Cette dame, si c'est quoi, jolie, bah, si elle s'habille, elle porte des tenues africaines, là, elle est sur les réseaux sociaux. Si c'est Fanta Jolie, bah, ou bien quoi Jolie, je ne sais pas. Elle représente l'autorité de son pays. Elle est venue pour connaître le secret. Qu'est-ce qu'il faut pour empêcher ce peuple? Qu'est-ce qu'il faut pour développer ce peuple? Et pour empêcher le développement et le bien-être de ce peuple. Ils viennent parmi nous, ils se font passer par des clochards. Ils font semblant que Fanta Jolie, merci beaucoup. Mohamed Adam Sandon. C'est là, évitez celle-là. C'est comme ça, ils viennent vous endormir, ils viennent avec vous, ils mangent avec vous, ils se laissent même vous coucher avec eux. Ils sont sacrifiés pour leur pays. Il y a des gens ici, en Europe, qui vont acheter les stupéfiants, là, qui ont détruit leur vie. Quand tu les vois dans la rue, tu dis que c'est des gentils. Et pourtant, c'est des patrons des services secrets.
Mais il faut ça pour que vous croyez. Cette dame, la Fantajoli, elle fait le rapport intégral de comment vous manipulez, comment vous divisez, comment tout faire pour nous empêcher de grandir, de se développer. Elles sont beaucoup comme ça. Elles vont coucher avec des hommes noirs. Vous, vous allez dire que non, mais si elle était au compte de l'autorité, de l'administration de son pays, comme elle peut. C'est ce qu'ils font pour vous endormir. Donc, si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Il y a quelqu'un qui me dit que je mens. Mais vous, là, vous ne vous réveillez pas, vous ne voyez même plus loin le bout de vos yeux. Quand ces jeunes vont se permettre de parler au nom d'une communauté, vous tombez tous dans leurs yeux. Je vois les gens s'attaquer, les gens avoir la haine contre la communauté Peul, contre la communauté Malinké, la communauté Soussou, la communauté forestière, que parce que tout simplement telle personne a parlé et l'autre aussi sort. S'attaquer à toute une communauté parce que l'autre impoli a parlé. Si un impoli se permet d'attaquer toute une communauté, est-ce que moi aussi je dois être le même impoli? Est-ce que j'ai reçu les mêmes éducations pour m'attaquer à toute une communauté? Mais il faut avoir de la même éducation que ce dernier pour poser les mêmes actes. Est-ce que moi je dois insulter toute une communauté parce que une personne de cette communauté est sortie insulter ma communauté? Pourquoi je vais le faire? Les autres sont engagés dans ça par rapport à quoi? Ils représentent quoi? Qui l'a délégué? Hein? Qui l'a délégué? Sincèrement, qui l'a délégué de le faire? C'est ce que vous ne comprenez pas. Personne n'a donné l'autorisation à ces gens de parler au nom de leur communauté. Donc vous ne devez pas prendre leur impolitesse, leur acte, la poser sur les réseaux sociaux pour répercuter ça sur toute une communauté. Chacun est ambassadeur de sa famille. Chacun représente sa famille. Un enfant qui a été éduqué à la maison, qui a subi l'éducation de ses parents, qui connaît le respect de sa mère et de son père, de ses parents, qui est issu d'une famille respectueuse et respectable, à qui on a inculqué des notions de l'éducation à la base en disant tu ne t'attaques pas à l'autrui, tu n'insultes pas le parent de quelqu'un, tu n'insultes pas le papa de quelqu'un, tu n'insultes pas les autres, parce que quand tu insultes le père de quelqu'un, il va insulter ton père. Quand tu insultes la maman de l'autre, il va insulter ta maman. Mais quand c'est des gens qui sont au service des politiciens, qui sont payés, qui n'ont aucun respect pour leur dignité, pour leur famille, pour l'image de leurs parents, ils reçoivent de l'argent, ils sont sacrifiés, ils posent des actes pour emballer tous les autres dedans. Vous voyez les autres sacrifiés suivre l'acte posé par l'autre. Ils tombent dans le jeu de l'autre. Ils sont tous des vendus sur les réseaux sociaux. Moi, je ne viendrai m'attaquer à personne ici qui va s'attaquer à ma communauté. Toi, je te verrai comme un enfant impoli, très mal éduqué, un enfant raté. Mais je ne peux pas venir insulter toute une communauté parce que tu es issu de cette communauté, parce que tu as insulté ma communauté, que je suis en train de me venger ou je suis en train de défendre la dignité de ma communauté. Mais vous êtes tous des bêtes, des cons. Ces autres-là t'ont fait quoi? Celui qui a parlé là, qui? Donc, il n'a qu'à te montrer un certificat, un récépissé, une autorisation de cette communauté qui me permet d'insulter tout le monde, d'engager tout le monde. Et vous aussi, vous sortez, les soussous sont comme ça. Moi, je suis soussous, ce c'est dit, non, ce c'est bien rené, ce c'est fait. Il ne peut même pas parler au nom de sa famille. Au nom de sa famille, il ne peut pas appeler une réunion et que les gens viennent l'écouter. C'est lui qui vient s'asseoir pour écouter les gens. Il n'a aucune responsabilité au sein de sa famille. Tous ceux qui parlent comme ça, qui disent qu'ils se défendent de leur communauté, vous partez dans leur famille. Vous, les imbéciles qui parlez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous, dans votre famille, votre réunion familiale, est-ce que c'est vous qui tenez la réunion? Est-ce que c'est vous qui distribuez la parole? Est-ce que quand il s'agit de parler au nom de votre famille, c'est vous qui êtes chargé de le faire? Avant de venir parler au nom de toute une communauté, d'abord pose-toi la question. Ou bien avant de s'attaquer à toute une communauté parce qu'un imbécile,
un impoli, quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, est sorti s'attaquer aux paisibles citoyens. Enquêtez sur lui, cherchez à savoir, lui là, dans sa famille là, dans leur cour familiale, quand il s'agit de faire une réunion, est-ce que c'est lui qui distribue la parole? Quand la famille doit prendre parole, quand la famille doit être représentée, est-ce que c'est lui qui représente sa famille? Est-ce que c'est un enfant impoli comme ça que cette famille a délégué ou désigne pour aller représenter l'image de la famille quand il s'agit des cérémonies, des réunions? Est-ce que c'est lui qui décide là-bas? Est-ce que c'est lui qui distribue la parole? Est-ce que c'est lui qui contrôle dans sa famille? Si c'est vrai, c'est lui qui fait tout dans sa famille. Donc c'est une famille restreinte. C'est une famille qui n'a pas reçu d'éducation. Le père de famille de cette famille a été un monsieur très mal éduqué. Il est impoli, le papa. Donc arrêtez de rentrer dans le jeu de ces bêtises, de ces ponts-là, de ces bêtes-là. Réveillez-vous, arrêtez de parler au nom des gens. Vous ne représentez personne sur les réseaux sociaux. Vous ne représentez que vous-même. Même votre famille, vous ne représentez pas votre famille. À bon entendeur, salut. Le maman dit que vous attendez à la sanction. C'est Dieu qui est en train de nous sanctionner. C'est Dieu qui veut que le peuple de Guinée se réveille. Sinon, comment le gars là, il ne me voit pas. À que lui, il va venir mettre de l'ordre. Il va dire, toi, tu dois participer à une élection, toi, tu ne participes pas. Parce qu'il a des armes, il a pris des armes, il s'est attaqué aux institutions de la République. Vous l'avez accepté, vous l'avez applaudi. Il vient s'imposer sur des gens. Le gars, là, il est entouré par des grands stratèges. Il est en train de vous fermer la bouche. Les partis politiques, ils disent le 31 décembre, s'ils n'organisent pas des élections qui vont faire dire qu'ils ne le reconnaissent plus, ils vont appeler les gens à manifester. Nous, on n'est pas pour l'organisation des élections. Mamadi n'est pas un président. Je n'ai jamais reconnu ce gars comme un président. C'est un délinquant, un bandit qui a pris les armes pour s'attaquer à une famille. En tant qu'il a des armes, il pense qu'il est légitime. Nous, on ne connaît pas l'organisation des élections. Je vous ai dit depuis longtemps. Mamadi ne peut pas organiser des élections. Celui qui parle de l'organisation des élections, tu n'as jamais aimé la Guinée. Si Mamadi doit organiser les élections, moi je préfère qu'il continue à vivre. Celui qui va venir lui renverser lui aussi, il reste à vivre. Parce que ce ne serait plus la peine de mettre de l'argent dans ce pays pour des élections. Les élections vont servir à quoi? Si quelqu'un peut organiser des élections, les Guinéens vont voter pour lui, quelqu'un d'autre vient le renverser. Il écrit sa charte, il ne consulte personne. Et vous demandez à celui-ci d'organiser encore des élections. Les élections servent à quoi dans ce pays? Est-ce que quelqu'un doit croire à l'élection? Est-ce qu'on doit investir de l'argent pour ça? Est-ce qu'on doit déranger le peuple pour ça? Pourquoi il ne prend pas les 600 millions là, il construit des routes, des écoles? Il reste là-bas jusqu'à ce qu'un autre militaire vienne le renverser. C'est aussi simple que ça. Nous, on n'est pas dans cette histoire parce que vous n'aimez pas la Guinée. Vous êtes pressé. Vous voulez anticiper les choses parce que vous voulez vous asseoir là-bas. Malgré ce qui va se passer demain, ce n'est pas votre problème. Vous voulez cautionner la déstabilisation de ce pays. Mamadi doit être renversé. Il doit être arrêté. Il doit être attaché. Il doit être condamné, jugé, lui et tous ceux qui l'accompagnent. Que tous les autres militaires prennent l'exemple sur eux. Que quelqu'un n'a pas le droit de venir s'attaquer aux institutions de la République. Parce qu'il n'y a aucune loi en République de Guinée qui a permis un coup d'État, qui permet à un Guinéen de s'autoproclamer comme président, qui permet à un Guinéen d'assassiner les Guinéens au nom de quelle démocratie? De prendre les armes, de venir ôter la vie des gens, de s'autoproclamer. Tous les autres militaires doivent prendre l'exemple sur Mamadi, dans les deux sens. Si vous voulez qu'il organise les élections, donc les militaires doivent prendre l'exemple sur Mamadi, de lui à quoi tu peux t'attaquer à un président. Quand tu es le chargé de la sécurité présidentielle, tu peux devenir président. Toi et ton petit clan, vous venez voler de l'argent, vous devenez des multimilliardaires pendant 3 ans. Toi aussi, ton nom entre dans l'histoire. Tu écris ta charte, tu mets ton CNT, le gouvernement. Tu gères 3 ans après, tu quittes. Les Guinéens, les autres militaires doivent encore prendre l'exemple sur Mamadi Doumbouya. Quand on va arrêter Mamadi Doumbouya, on va l'attacher. Lui et tous ceux qui l'ont accompagné dans ces bêtises-là, on les traduit devant le juge, ou bien qu'ils soient tous pendus. Les autres militaires vont prendre l'exemple. Ah, quand tu te permets
quand les gens viennent s'attaquer aux institutions de la République, il y a des institutions de la République, il y a la justice qui va te demander, toi, quelle loi t'a permis de le faire? Qu'est-ce qui te permet de le faire? Pourquoi tu as pris les armes pour t'attaquer aux institutions de la République? Il y a quelle loi en Guinée qui te permet d'assassiner les Guinéens pour prendre le pouvoir? Tu dois être pendu. Donc les militaires vont faire beaucoup attention avant de faire le coup d'État. Parce qu'ils savent quand tu fais le coup d'État, tu seras pendu, tu seras jugé. Tu ne vas pas t'en tirer dans cette situation. Même quand Mamadi devient multimillionnaire en dollars, lui et tous ses amis qui traînaient dans la rue hier, qui n'avaient pas quoi à manger, ils sont devenus des multimillionnaires aujourd'hui. Ils ont des investissements partout. Personne ne peut leur poser la question. Qui d'autre ne peut pas faire ce qu'il a fait? Qui d'autre ne peut pas faire ce qu'il a fait? Il suffit juste qu'il y ait des opposants au pouvoir et toi tu as la charge de la sécurité présidentielle. Tu profites de cette situation pour renverser le pouvoir, pour venir t'arrêter devant les opposants au pouvoir, dire ce qu'ils veulent entendre et puis tu es validé. C'est comme ça que le pays doit fonctionner. Je suis de cœur avec vous. Abba Mamadi Doumbouya. Abba Mamadi Doumbouya. Vive le retour du président Kakonde au pouvoir pour sauver la Guinée, pour éviter l'instabilité à notre pays, la déstabilisation de notre pays. Je suis de cœur avec vous.